Oh, this is intense. It's King Demian, this mother. King Demian. King Demian, how the fuck is your day going to make you fucking name me? Another goddamn video, man. Hey, look, gang members, man. Look. So, a couple months ago, or like a couple weeks ago, actually, I lied. Some of y'all were requesting this video will I made Legendra Ideal. Let's see what this means, actually. But basically, a lot of y'all were requesting this video, but I realized I seen that the video was a 37 minutes long video. The ideal son, that's interesting. I seen that the video was a 37 minutes long video, so I decided that I'm just wait for a day when, after I do a bunch of videos and I still feel energetic, I'm gonna just do like half of the video, like a part one, part two, part three. I don't know, 10 minutes of this video right now. We'll do the next 10 minutes in the next video. We'll just, you know, just vibe with it, you know what I'm saying? But hey, let's not talk too much. Let's go ahead and jump straight to it and see what he's talking about. I used to watch videos of this dude when I was back in Nigeria. I haven't really watched any of his videos in like past couple of months. L'histoire est assez simple. Je dois rencontrer mon futur beau-père pour la première fois aujourd'hui. Mais alors que j'étais arrivé devant chez lui, ma fiancée m'avait appelé pour me dire qu'elle serait en retard. Rien de bien méchant, vous me direz. Et son père, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il est riche, puissant. Et d'après ce que j'ai compris, il va très sain d'esprit. William, c'est bien ça? Enchanté de pouvoir enfin mettre un visage sur le prénom du petit ami de ma fille. Enchanté. D'ailleurs, elle a un peu de retard. 45 minutes, je sais. Entrez à l'intérieur, nous ferons connaissance de l'antenne. Non, je préfère l'attendre ici. Parce que. Entrez à l'intérieur. Ouh. Ouh, this is game. Ok. Avec plaisir, monsieur. It's a with pleasure. Je vous présente Léonard. Léonard, le majordome. Ce n'est pas le personnage le plus bavard de cette histoire. Il est sans aucun doute l'un des plus effrayants. Léonard, voici William. William, le fiancé. Good chance, William. He said good luck. What? Bien. That ain't what I want to hear. Ah, j'ai oublié. William, je vous prie de m'excuser par avance si des résidus de plâtre venaient à tomber sur vos vêtements pendant que nous rejoignons le salon. Nous faisons des travaux sur le plafond du couloir principal. J'ai bien peur que du plâtre se sort des taches de temps en temps. Ah non, vous inquiétez pas, c'est pas grave du tout. Mettez cette petite veste. Cette petite casquette pour être que vous soyez taché. Maniaque. Vous savez, William, il y a quelques mois de cela, j'ai cherché Léonard. Mon majordome et mon bras droit depuis des dizaines d'années d'enquêter sur vous. Il s'est donc absolument tout le monde. Il est très doué dans ce domaine. À l'heure actuelle, il vous connaît probablement. Cette petite casquette, pour être que vous soyez taché. Maniaque. Vous savez, William, il y a quelques mois de cela, j'ai cherché Léonard. Mon majordome et mon bras droit depuis des dizaines d'années d'enquêter sur vous. Il sait donc absolument tout de vous. Il est très doué dans ce domaine. À l'heure actuelle, il vous connaît probablement mieux que votre propre mère. C'est ce que vous faites de vos journées, de vos soirées, ce que vous avez l'habitude de manger, de boire. Il sait si vous avez oui ou non une cicatrice sur le genou. What the fuck kind of creepy ass talk is that? Et si oui, il sait même comment vous l'êtes fait. Il sait si vous jetez les croûtes de vos parts de pizza, il connaît votre catégorie de porno préférée, vos mauvaises habitudes, vos pires vices. What? Ou si vous êtes même susceptible de lui faire du mal. Il a parfaite connaissance de vos plus profonds secrets. Mais rassurez-vous, moi je ne sais rien de tout ça. Je ne vous connais pas. Je connais votre prénom, William. Léonard a l'interdiction formelle de me dévoiler la moindre information. Du moins avant la fin de ces 45 minutes. Café? Non, c'est coffee. J'aime les jeux, les défis, les énigmes. Remporter la partie dans les règles de l'art, sans tricher. Et aujourd'hui, je vais tenter de résoudre votre mystère, William. Qui êtes-vous vraiment? Êtes-vous à la hauteur de ma fille? Êtes-vous un homme? Ou méritez-vous d'être jeté aux oubliettes?
The production of this video is so A1. À la fin du jeu, dans 45 minutes, si vous avez réussi mes épreuves, m'avez convaincu, je reconnaîtrai que vous êtes l'homme de la situation et je brûlerai le dossier sans même l'avoir ouvert. J'ai une confiance aveugle en mon propre juge. Mais si vous échouez, je me fierai à la ville Léonard et je le lirai. Je verrai si vous méritez d'être éliminé de la vie de ma fille. Oh. Vous voyez, je vous ai pas menti, l'enveloppe n'était pas ouverte. That's it for the 5 minutes. Okay. You gotta get here. Montrez-moi ce que vous valez. Voici ma première question. Et ne me décevez pas avant même qu'on ait commencé. Vous êtes prêts? Excusez-moi. Oui, Maria. C'est Emily au bout du fil. Emily, je peux lui parler? Bonjour, Emily. C'est Léonard, le majordome. Vous vous souvenez? Ah oui, bonjour, Léonard. Est-ce que vous pouvez me passer mon père, s'il vous plaît? Non, il n'est pas disponible tout de suite. Je peux vous rappeler dans quelques minutes? Ah non, c'est bon, ça ira. C'est simplement pour vous dire que comme un client s'est pas tardé à arriver et que moi, je n'arriverai que dans 3 quarts d'heure, bien, je pense qu'il bougera directement à l'intérieur. D'accord, pas de souci. On vous prévient dès qu'il arrive. Hey, looking at Emily, or Maria. Vous êtes prêts? Never know, I don't remember her name. Que voulez-vous de ma fille? Que voulez-vous de ma fille? You can't have a good answer for that. What do you want from her? You should know that. You want to marry her, right? Monsieur, je suis amoureux de votre fille. Basic as fuck. J'ai bien peur pour pas vous. Pardon? Je parle à son père. Sur Léonard parce qu'Emily a reconnu sa voix. Mais si Léonard avait bel et bien été son majordome depuis des dizaines d'années, il aurait su qu'il n'avait jamais de sucre dans son café. Vous l'avez regardé? Non. Watch her. What is? Est-ce qu'il l'a regardé? Oh. Oh. Oh, this is intense. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez qu'un seul mot à dire, monsieur. Vous venez chez moi pour probablement demander la main de ma fille et vous osez fantasmer sur ma gouvernante. Non, non, je vais pas mentir. Alors que je vous ai donné une chance de pouvoir parler d'homme à homme, je n'ai pas lu le contenu du dossier sur vous pour vous donner une chance de gagner ma confiance et vous oser me mentir. Ok, d'accord, j'ai compris, désolé. Mais je ne l'ai pas regardé comme ça, je vous jure que j'ai... Seulement, monsieur. Je suis censé dire à Léonard de vous mettre une balle dans la tête maintenant. C'est votre rêve, monsieur. Il a échoué. C'est la deuxième épreuve, c'est ça? Vous pouvez pas me tuer, c'est impossible. Comment vous l'expliquerez, Emily? Et comment Emily le saurait? Elle ne sait pas où vous êtes déjà arrivé. On vous connaît, Emily. Merci beaucoup, Léonard. Vos domestiques m'ont vu entrer. Vous voyez brièvement un homme avec une veste bleue qui ressemble plutôt à une blouse ainsi qu'une casquette bleue accompagnée d'une boîte à outils. Qu'est-ce que vous supposerez inévitablement? Il est l'électricien qu'ils m'ont pu entendre appeler ce matin. À tous les coups. Mais William, le fiancé de ma fille, je ne l'ai jamais rencontré. À part nous, presque personne ne sait. Vous êtes déjà arrivé. Et peut-être qu'il n'arrivera jamais. Et qu'on retrouvera non loin d'ici son cadavre tragiquement assassiné par les junkies de la région pendant qu'il attendait dans le quartier que sa fiancée arrive dans le but de rencontrer son charmant père pour la première fois. Pauvre William. Ok, d'accord. Oh. Vous avez triché. Et vous avez perdu. Non. J'aime les jeux. Remporter la partie dans les règles de l'art, ça triche. Vous êtes un mauvais joueur, c'était déloyal. Quoi? Si vous jouez aux échecs avec quelqu'un qui ne connaît pas les règles, vous ne pouvez pas l'accuser d'avoir triché. Vous m'avez menti. Comme n'importe qui dans cette situation, et vous le savez très bien.
Un bon joueur reste un bon joueur. C'est ce qui vous a fait gagner. Minimisez sa victoire et vous pouvez être sûr qu'un bon joueur voudra recommencer la partie. Ah, et vous pensez pouvoir gagner? Je pense que je ne suis pas parfait. Et je pense que cette enveloppe contient un dossier sur un mec qui n'est pas parfait. Emily m'aime, et je l'aime. Je ferai n'importe quoi pour elle, et vous trouverez rien dans ce dossier qui prouve le contraire. Ok. D'accord. Allons voir si vous feriez bien n'importe quoi pour elle. Lâchez-le, Léonard. Monsieur. Léonard. C'est ma fille. C'est ma partie. Ne trichez pas. The production is epic. Objet utile. Excuse-moi, vous avez fait comme ça? Ah, oui. Merci, c'est gentil. 10 points. Difficulté. How she just help you? Salut. J'imagine que t'es pas célibataire. Plus 6 points. Valeur sentimentale. Cette fois-ci, j'ai gagné. Yes! Pardon, excusez-moi. Ouais. Je crois que j'ai encore gagné. Oh my god! Ça compte pas! Ça compte pas, on avait personne seul! That nigga straight drinking. Emily, elle ne vous parle jamais de moi. Très rarement. Elle ne m'a jamais décrit physiquement. Non. J'ai d'ailleurs longtemps cru que son père était mort. La dernière fois qu'elle m'a vu, c'était il y a 20 ans. À la mort de sa mère. Est-ce qu'on va? Nous allons vérifier que vous êtes un homme. Uh-oh. It's a big ass house though. C'est un tableau de Nadine Timaraya, un authentique. Ça a dû coûter une fortune. Vous êtes amateur d'art. J'en ai juste entendu parler. Vous savez sûrement que j'ai repris contact avec ma fille il y a 2 semaines. Oui. La seule raison pour laquelle je vous laisse une seconde chance, c'est que ma fille m'a dit que vous avez tenté de vous battre avec lui. Je vous en suis reconnaissant. Il me frappait pratiquement tous les soirs. Et si j'avais pu me tuer sans laisser de trace, il l'aurait fait. Pourquoi n'as-tu pas prévenu la police? Parce que... Il est intouchable dans ce pays. C'est impossible. Et pourquoi ne m'as-tu pas prévenu, moi? Parce que la dernière fois que je t'ai vu, j'avais 5 ans. Non, je me voyais mal t'appeler. Salut papa, ça va? Tu sais que mon mec m'utilise comme punching ball. Et en fait aussi, pour pas que je crie, il met son poing dans la bouche. Enfin bref, tout ça c'est l'histoire ancienne. Maintenant je suis avec Julia. Tout se passe bien. Comment est-ce qu'elle s'appelle? William. Non, ton ex, celui qui te battait. Ah, Maxime. Je te dirai pas son nom. Il faut William la croiser, ça a failli dégénérer et puis. Ça aurait pu me se terminer. Emily, je veux. Ok. Je te dis à dans 2 semaines quand tu vas rencontrer mon fiancé, William. Et merci d'avoir accepté. Bisous. Monsieur, si vous avez besoin de moi, je suis à l'extérieur. Maxime is gonna get this whooping! Si tu les avais vus à la vente de son chien, ils en pouvaient plus. Attends, t'as vu les petits yeux, ils étaient comme des dingues. Un truc doux. Attends, laisse-moi finir. Devine ce que j'ai sous les yeux. La tour de greffus de Tamaraya. Je te jure que c'est vrai. 2-3 minutes, c'est pas si elle te lion avec un gros lion. Oh. Attends 2 secondes. Sécurité, la porte. Donc, ouais, je me disais 2-3 millions facile avec du bel accord. Sécurité. Vas-y, c'est bon, je vais rappeler. Oh.
vous en suis reconnaissant. Mais maintenant, il va falloir finir le travail. So you have to finish the job. Maxime, l'ex-copain de ma fille qui l'a vu à terre. Maxime, je vous en prie, William, l'actuel fiancé de ma fille. Maxime, vous êtes déjà rencontré. C'était la fureur, déclenchée par la simple vision de l'homme qui a fait du mal à la femme que j'aime. Ou alors la détermination, prouver à son père que je suis un homme. Avait-il bel et bien compris que c'était un mélange des deux? Et jusqu'où devais-je être capable d'aller? J'arrête. T'arrêtes quoi? Ces jeux-là. J'arrête. Putain, ça y est, le mec qui tombe. Est-ce que c'est Maxime? Il veut devenir quelqu'un de bien. Ça a l'air de parfait. Quel genre de fille parfaite voudrait faire sa vie avec un voleur? Quel genre de voleur voudrait faire sa vie avec une fille parfaite? Si elle le découvre, ce sera terminé, alors j'arrête. Ok, je te crois. Courage. C'est impossible. On volait des pièces ensemble avant même de savoir les compter. T'as déjà remarqué toi aussi, non? Plus t'es stressé, plus t'as envie de voler un truc. Plus t'es heureux, plus t'as envie de voler un truc, c'est notre drogue. Si t'essayes d'arrêter, je peux t'assurer que tu vas te mettre à voler des trucs sans même t'en rendre compte. Et là, il sera impossible de la retenir, ta copine. C'est comme ça, c'est notre nature, on y peut rien, frérot. On a toujours le choix. Et je ferai n'importe quoi pour elle. Alors j'arrête. J'arrête. Il mettait son poing dans la bouche pour qu'elle se taise, alors je lui ai coupé la langue. Allez-y! Vengez ma fille! C'est encore un test, c'est ça? Vous êtes perspicace. Je suis sûr qu'il est même pas chargé, ou alors qu'il est chargé à blanc. Vous voulez juste vérifier que je suis capable d'appuyer sur la détente? J'en suis capable. Ce n'est pas une question de courage, mais d'honneur. Si j'appuie sur la détente, vous direz que je suis un assassin dangereux pour Emily, et si j'appuie pas, vous direz que je suis un lâche. Il n'y a aucune issue. Cet homme a tenté de tuer Emily! Vous n'avez pas pu mettre de balles dans ce chargeur! C'est impossible! C'est impossible! Allez, montrez-moi que vous êtes un homme, William! Vous n'êtes même pas capable de venger l'être. J'en suis capable, mais c'est encore l'un de vos tests. Si je tire, vous direz que j'ai échoué. Vous mentez! Vous n'êtes pas à la hauteur. Je suis capable. Vous mentez. Je vais le faire! Appuyez sur la détente, William. Appuyez sur la détente, William. D'accord. Nous allons départager grâce à un jeu. This nigga games, he likes games. Alors fais ce que vous voulez, t'as compris? Jouons au jeu des trois cailloux. Le principe est simple. Nous avons tous deux trois cailloux derrière le dos. Le but est de s'en débarrasser. Pour ce faire, on se doit de chacun mettre un nombre de cailloux dans notre main droite allant de 0 à 3. Nous tendons ensuite fermement le poing et tentons de deviner le nombre exact de cailloux en jeu. Donc les vôtres plus les miens. Deviner la somme exacte nous permet de nous débarrasser d'un caillou. Le premier qui n'en a plus aucun a gagné. Par exemple, vous en mettez deux dans votre main droite et vous pronostiquez que la somme sera de 5. Autrement dit, vous pensez que j'ai moi 3 cailloux enfermés dans ma main. 2 plus 3, 5. Moi je dis 3, par exemple. Nous tendons le bras et ouvrons la main. Vous en avez 2, j'en ai 1. J'ai bel et bien deviné la bonne somme. 3, j'ai gagné. Je peux me débarrasser d'un caillou. Nous continuons ainsi de suite jusqu'à ce que l'un de nous n'en ait plus. Si aucun des joueurs n'a deviné la somme exacte, nous recommençons. Le second joueur n'a pas le droit de donner le même pronostic que le premier. Si je dis 3, vous ne pouvez pas répondre 3. L'égalité n'est donc pas possible. Est-ce clair? Allons-y. That's a very interesting game. I got lost in there, but like, I'll kind of... C'était un jeu de bluff. Alors bluffons. Mais surtout ne rien laisser transparaître. Ne rien laisser transparaître. Deux. Soit il a compris que j'avais mis aucun caillou dans ma main, soit il bluffait. Un. Je me débarrasse encore. Plus qu'un seul caillou. Pourquoi est-ce qu'il était si sûr de lui? Pensait-il que j'allais perdre dans tous les cas? Que je le ferais exprès? Non. Je vais mettre un caillou dans ma main et dire que je vais calmer cette manche. Est-ce qu'il croit qu'au fond je souhaitais forcément éliminer la pourriture qui a du mal à aimer et que j'appuierais forcément sur la détente? Avait-il l'impression de le voir dans mes yeux? Et lui, avait-il eu l'impression de le voir aussi? He cut his tongue.
What? Wow. Pas n'importe quoi, frère. He didn't do it. He did it? Yo, that's crazy. I wish he didn't do it. Dans combien de temps est-ce qu'on arrive, s'il vous plaît? I said I was gonna do 10 minutes, but this shit is so interesting, I don't think I can stop. Allez, montrez-moi que vous êtes un homme. Il a pas fait plus d'essence à votre propre fonction. Vous mentez, votre enfant. Tu fais n'importe quoi, ton rire sur la détente, William. Personne ne sait, vous êtes déjà arrivé. Vous pensez pouvoir même vous voler un peu. Mais il m'aime, et je l'aime, tu ferais n'importe quoi. Vous allez être volé des trucs sans me rendre compte. Vous l'avez regardé? Non. Léonard, ne trichez pas. Vous n'êtes pas capable de venger l'être aimé. Appuyez sur la détente. Ne trichez pas. Ne trichez pas. Je vous ai apporté les serviettes pour essuyer vos mains. Avez-vous besoin d'autre chose, c'est nous? Ah, Maria Sanchez, la gouvernante. À part du courage. Non, mais... Sa beauté et sa gentillesse n'avaient d'égal que sa naïveté. Apporte-lui des serviettes, charme-le. Et voici les réceptifs, s'il te plaît, Maria. Oui, monsieur. Vous m'avez l'air stressé. Vous êtes qu'un bar pour vous détendre. Donnez-moi une bonne raison de ne pas dire à mon patron que vous avez volé les clés. Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas dire à votre patron que vous partez à Milan. Il vous dit qu'il n'est pas au courant. C'est vrai. Blanc. Mais si je me prends, hein, vous pouvez parler avec moi. Pourquoi? Une enquête sur une affaire d'enlèvement où mon patron est suspect. Ils m'ont forcé. Je suis certaine qu'il n'a rien à voir dans cette histoire d'enlèvement. Alors vous ne voyez aucun inconvénient à porter ce micro une journée? Au contraire, si vous êtes vrai, vous le disculperez et j'avancerai sur une autre piste. Pensez au parents de ce jeune homme qui cherche partout, vous êtes Sanchez. Yo, I love this shit, this shit is sick. Yo. C'est juste pour une journée, je ne suis pas une traître. Ne lui dites rien. J'attends juste ma fiancée. C'est tout ce qui m'importe. Ma fiancée. Entendu. Ne faites rien d'autre par l'attendre alors. Wow. He just killed the person they're looking for. Moi j'ai trouvé. Je pense que vous pourriez lui faire confiance et vous devriez parler avec lui sur la scène. T'en es sûr, Mario? Oui, j'en suis sûr. Léonard, allez. My computer died. My computer died. I guess we're gonna end the video right there and we're gonna continue in another video. We're gonna have a part two. Oh, I'm so mad, my laptop fucking went off. Oh, I should have charged it when it said low battery. I was just so into this shit, I didn't want to get up. But yo, that is so good. The production quality is fire. Everything about that shit is fire. Like, no cap. That was a beautiful fucking video. Hey, but
If you enjoyed that video, go ahead and like this video. If you want to see a part two, let's get like a 1,000. He came back home? But yeah, if you want to be a subscriber, then go ahead and smash the subscribe button, smash the like button, tell me how the fuck yeah, you're going. Follow me on Instagram at @unstuckingdemi. Follow my other social media like to see right there. Scan the snap, turn the post notifications, and tell me how the fuck yeah, they're going. I don't know why I just repeated all that. But like that, I'm so like, I just want to watch the rest of this video. I ain't gonna lie. I might go charge my laptop and just come back and finish this shit. For real, I like this shit. But hey, let's get 1,000 likes on this video. Can we? I feel like we can. But hey, man, thank you guys for tuning in. If you loved it, please thumbs up. 60k subscribers. Buy merch, link in the description. Everywhere, literally, just it's everywhere. All right, stay blessed up, okay. I think I drink too much. I think I drink too much. I think I drink too much. Will you roll me a blunt so I can't cool off? Why did I do a gang like I had a seizure or something?